Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, sentimental aujourd'hui. Alors, on va voir tout ce que je peux partager avec vous. Ce magnifique oracle, la personne de votre cœur à gauche, votre lien au milieu et vous à droite, on va voir tout ce que je peux partager. Sentimental, on va les zoomer au niveau du sentimental d'une personne et on va voir tout ce que je peux partager. Alors, la personne de votre cœur, là, elle est remplie d'émotions. Elle est chamboulée, elle est remplie d'émotions pour vous, elle est perturbée, ça la perturbe, ça la fatigue aussi, tellement qu'elle est perturbée, elle en est fatiguée aussi, hein. Je vois sur votre lien, il y a un rêve, il y a quelque chose qui se réalise. Soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux. Ou alors, et ensemble après aussi. Vous souhaiteriez une rencontre amoureuse avec la personne de votre cœur. Et pour moi, il y a, ce rêve va se réaliser. Alors, soit la personne de votre cœur est déjà dans l'abondance dans tous ses domaines de vie. Ou alors, il y a un retour. Il y a un retour à l'abondance dans tous ces domaines de vie qui va permettre à cette personne d'être remplie d'émotions. Les émotions vont être. Cette personne va être perturbée, va être chamboulée. Il y a un rêve, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Il y a une rencontre amoureuse qui va pouvoir se faire dans la foulée. On va pas. Et puis, je vois une personne qui court. Hein. Elle laisse plus. Dès qu'il y a plein de bonnes nouvelles qui arrivent, en fait, on va pas laisser. C'est dans la foulée, on se précipite, voilà, il y a de la précipitation, on se précipite. Voyez? Il y a un rêve, là, il y a un rêve de communication, de se parler, de discuter ensemble, il y a des messages qui vont être échangés. Vous, il y a la naissance d'un nouveau projet dans cette nouvelle lune. La personne de votre cœur, voyez, elle veut faire la fête avec vous, elle veut vous inviter, elle veut communiquer. Déjà, elle veut communiquer avec vous, et puis après, c'est si vous acceptez par ces communications après de faire la fête avec cette personne, ouais, vous allez fêter des choses. Durant une rencontre amoureuse, hein, il y a de la fête, vous allez communiquer, vous allez énormément parler, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Ouais, dès cette nouvelle lune, là sur votre lien, le lien s'élève, hein. Vous allez réussir à communiquer. Il y a un rêve de pouvoir communiquer ensemble. Et là, il y a des choses qui s'accélèrent pour que vous puissiez le faire, que ça se réalise. Vous souhaiteriez une rencontre amoureuse avec la personne de votre cœur. Je vois la naissance d'un nouveau projet, peut-être d'un tout nouveau projet, ou alors un tout nouveau projet ou alors un projet déjà en place. Il y a un rêve d'abondance sur ce projet qui se réalise dès cette nouvelle lune. Oh là là, oui. Regardez, vous éprouvez énormément d'amour pour la personne de votre cœur. Vous êtes des inséparables et la personne de votre cœur, c'est pareil. Vous allez être chamboulé, hein. Dans ces communications, on va être perturbé, on va être chamboulé. Mais il faut le faire. Parce que ça va être si beau. Oui, regardez, voyez? Rapidité, hein, sur tous les domaines de vie de la personne de votre cœur et la personne de votre cœur aussi. Hein. Et puis, voilà. Même si tout n'est pas en place encore dans tous les domaines de vie de cette personne, faut qu'on lui recommande de reprendre de la rapidité, de communiquer sur le lien avec vous, pour réaliser le rêve de cette nouvelle lune et de s'élever avec vous. Par une communication. Oh, regardez, cadeau de la vie. Ouais, après les communications, il y aura des cadeaux de la vie. Parce que là, on peut avoir une peur de communiquer. Et pour moi, en fait, de communiquer, il y aura un cadeau de la vie, en fait, pour vous rendre heureux. Vous pouvez être cette femme. Il y a de la rapidité, de la légèreté là sur le lien. Rapidité de la part de la personne de votre cœur et de la légèreté, un retour à la légèreté. Et regardez, bonheur et réussite, hein. C'est merveilleux. Bonheur et réussite aussi sur des accidents plus graves.
Ça peut être des vrais accidents ou alors liés à l'administratif. Ou alors parce que y a un bonheur, une réussite, vous allez réussir quelque chose, même si peut-être vous avez eu un accident éloigné, récent, peut-être quelque chose. Autonomie, peut-être quelque chose de physique. Physique. Mais ça va réussir, il y a quelque chose qui va réussir lié à tout cela. Peut-être que il y a des démarches administratives qui vont être dans la réussite, dans cette nouvelle lune, qui va vous apporter de la joie et de la gaieté. Là, actuellement, vous pouvez être bloqué. Vous avez peut-être eu un défi à relever, mais là, c'est un retour à la santé, à l'énergie, hein. Même si vous avez besoin au niveau physique, pour moi, il y a quelque chose au niveau physique qui va guérir. D'accord? Physique, psychologique, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Ok, on y va. Oula. Allez, je partage. Alors, mon écrit du jour. Alors aujourd'hui, je peux avoir une fin d'oppression. Je peux avoir deux personnes qui vont pouvoir se reparler. Que tout le toxique. Alors, je peux voir que tout le toxique. Soit est déjà disparu, alors disparaît. Ça va vous permettre de souffler. De vous souffler avec une fin d'oppression pour deux personnes qui vont pouvoir se reparler. Et en fait, ça va permettre d'y avoir des discussions. Il y a une fin d'oppression autour de vous sur le lien. Vous allez pouvoir vous reparler. Je vois que tout le toxique soit est déjà disparu ou alors disparaît en totalité. Ça va vous permettre de souffler sur ce lien entre deux personnes. Entre deux personnes qui s'aiment, ça va vous permettre de souffler. De souffler, on veut se toucher aussi. Alors, pour moi, il n'y a rien de. C'est pas sexuel, on veut se toucher, hein. Souffler, se toucher, se parler. Et aussi réaliser, s'aimer, réaliser et réaliser plus d'un rêve ensemble, plus d'un rêve sur ce lien ensemble. Il y a deux personnes qui veulent réaliser plus d'un rêve ensemble. Donc là, il y a une fin d'oppression aussi, surtout le toxique qui pourrait vous empêcher, vous oppresser en fait, à ne pas réaliser vos rêves. Voilà tout ce que je pouvais partager. Alors, on va prendre le précieux conseil, message, encouragement du jour. Avec ce magnifique oracle, on va voir le petit cœur que vous avez à recevoir. Précieux conseil, message, encouragement aujourd'hui dans votre sentimental. Ici. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, votre âme sœur. Votre âme sœur est déjà connectée, hein, avec vous par l'esprit, par votre tête. Si vous y croyez, elle va se manifester dans le monde physique. Donc pour moi, là, il y a une âme sœur avec qui vous êtes connectée qui va se manifester à vous. Pour moi, une âme sœur qui ne s'est jamais manifestée, une âme sœur positive, hein, qui va se manifester à vous.
Et on me parle d'un miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. C'est un réel plaisir, bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, des pouces à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, vous désirez le faire. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt, belle journée!